C'est ce vendredi 9 mai 2014 qu'est se clôturé l'événement Blanc Ébène, initié le 26 février dernier pour la revalorisation des albinos par la photographe belge Patricia Willock grâce à l'appui financier de la Fondation Famille Gettler. Cette cérémonie de clôture a permis à la Fondation Famille Gettler de remettre encore 50 paires de lunettes photochromiques et correctrices aux enfants albinos et non albinos, membres de la Fondation Mwimba Texas. Cela après le dépistage gratuit du trouble oculaire réalisé au centre ophtalmologique de Massina, comme ce fut le cas lors de la cérémonie d'ouverture. La Fondation Famille Gettler, qui fait de la formation et de l'éducation de la jeunesse congolaise l'élite de demain, l'une de ses priorités, s'est dit fière de participer à cet événement. Les enfants albinos souffrent d'un problème de vision et ça les empêche de bien étudier, de bien voir de loin et donc du coup de s'appliquer à l'école. Ce que nous avions reçu la demande, nous n'avons pas hésité parce que ça bénéficie à l'éducation des enfants. Pour sa part, Mwimba Texas, président de la fondation qui porte son nom, a loué les niveaux du partenariat existant entre sa structure et la fondation Famille Gettler. Que Dieu lui accompagne, et je le remercie beaucoup parce que notre parent n'était pas la capacité de nous acheter ça.